Salut à tous, c'est Angie. Et oui, aujourd'hui je suis toute seule sur la chaîne. Non, en fait, pas tout à fait. L'empaye va me retrouver tout de suite. C'est que je voulais faire cette petite introduction toute seule avec vous, puisque aujourd'hui c'est son anniversaire et que je lui ai prévu un petit truc spécial. En fait, je lui ai fait des caches un peu autour de chez nous et dedans il y aura ses cadeaux. Donc, j'espère qu'il va les trouver. Je lui ai fait des petites fiches. Un peu comme comme ce qu'on voit sur le site de geocaching.com. Et voilà, je vais lui annoncer la nouvelle, comme quoi on repart géocacher. Y'a quelqu'un? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! On part géocacher? Non. Là, tes cadeaux sont en pleine nature. Ah bah go. Ah ouais, mais c'est qu'il y en a plein en plus. Bon bah go, je cachine. Yo. Ça aussi, c'est quoi? Ça, c'est ton premier cadeau. Ça, c'est géocalisé ici, c'est bon. C'était pour l'introduction. Parce qu'il fallait bien faire quelque chose au début. C'est quoi? Ouah, poisson tribal. C'est même un requin de la mort, non? Non, je sais pas, un poisson requin. C'est tribe, geocaching tribe, yeah baby, motherfucker beaches. Bon, du coup, pour l'instant, on est parti. Il est en train de regarder, découvrir un petit peu les fiches. Ouais. En fait, tu peux montrer? Voilà, j'ai mis la localisation de l'endroit sur la feuille avec la description, l'indice. Tout bien comme sur le site. Est-ce que tu vas trouver où c'est? Normalement, alors là j'ai les positions. Alors, 40... Il y en a une qui sera peut-être approximative. Mais Comment ça de l'approximatif? Je suis pas d'accord. C'est pas facile. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? C'est mes premières caches test. Alors on est à 4 km. Ouais. Et c'est parti. Ça y est, on est sur le lieu de la première cache. Ouais, on attend qu'une moldue s'en aille. Puis elle met du temps. Genre, même on cherche le frein à main et la marche arrière. C'est ça. Et on est à 20 mètres, voilà, 20 mètres de la première cache. Ça va, suspect? Ouais. Ouh. Attends, je cherche un peu le. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, go, go, go! J'ai enlevé la boussole. Oui, voilà. Voilà. C'est par de là-bas. Après, je te dis, c'est un peu approximatif des fois. D'accord. Donc, fie-toi plus à l'indice après pour. Yeah! En plus, ça. T'en mets-toi au soleil. En plus, ça fait un truc officiel que. Bah oui, j'ai essayé de faire ça bien, s'il te plaît. Putain, elles sont classiques. Oui. J'ouvre tout à la fin ou... Ah, c'est comme tu veux, c'est toi qui décide. Ah ouais, j'ouvre tout à la fin, suspense. Oh, ok. Ouais. Ah ouais. Alors, on continue de chercher la deuxième cache, où là, l'indice, c'est au pied de la... Maisonnette. Voilà. Est-ce que vous voyez une maisonnette? Mais je vais regarder au cas où c'est pas une maisonnette à oiseaux. Après il y a une maison bébé, enfin une petite maison. Bébé maison. Je sais pas. Je suis en grande tenue géocaching quand même. Effectivement. Voilà, les tongs. Le summum de la mode. Viens les copains. Attends. J'ai vu les champignons. Champignons. On fait des découvertes en faisant du géocaching. Attends-moi. Ah bon, j'ai au cache, hein, Zouk. Voilà. Ça serait une maisonnette. Ça, ce serait une maisonnette. Donc, à savoir que tu m'as fait passer par des chemins ultra tortueux. Ouais. Pour y accéder, en fait, la rue qui est là, ouais. C'est la rue où il y a le rond-point en bout.
Ah, on a fait 900 mètres, quoi. Ouais, mais c'est c'est ça. l'aventure. Oh mais qu'il est fort. Non, mais j'ai pas cru que tu l'aurais vu tout de suite. En plus, il était bien caché. Il était très bien caché. J'ai hésité entre avec la feuille dessus, tu sais, genre le petit caca du chihuahua qui est passé que le propriétaire a poussé. Non non, j'ai fait exprès, c'est caillou. Oui. Qu'est-ce que c'est? Dans les environs de la troisième cache. Voilà. Alors par contre, comme je suis un peu une géocacheuse en carton, j'ai pas donné les bonnes coordonnées pour cette cache. Donc je l'ai emmené sur la zone et à lui de trouver maintenant. L'indice, je répète, c'est sous le bois. Sous le bois. Alors après, il y a un bois là-bas. Alors est-ce que c'est un jeu de mots avec sous le bois du bois ou sous le bois d'un bois? Je ne connais pas mon bois. Mais il est trop fort, il est trop fort. Geosense. Sense, je joue cacheuse. Elle est où la cache? Elle est là-bas. Alors normalement... Tu sais, t'es pas obligé de la remettre, hein, parce que... Ouais, mais normalement, on met une cache à sa place, etc. Celle-là, je me barre avec. Ça y est, on s'avance vers la dernière cache. Ouais, mais après, y'a plus de cadeau. C'est pas grave, y'en a déjà plein. Ah. Et juste pour l'anecdote, je connais juste ce bout de coin parce que je sais qu'il y a une vraie cache là. C'est pas gagné toujours? Ah bah normalement si. Donc il est là avec nous. Bon, moi je l'ai déjà faite donc je vais pas la reloguer mais... Moi je l'ai fait avant toi d'abord. Voilà, on contrôle. Ils ont changé de contenant parce qu'elle était toute pourrite, là elle est toute belle. Ouais, mais parce c'est qu'on bien. Avait fait une demande de maintenance. Belle maintenance, bravo Pat. Super. Allez en avant. Oui. On s'excuse pour le bruit, hein. Il y aura sûrement un peu beaucoup de vent. Bon, ça dépend. Enfin, il y a du vent, ça c'est sûr. Ouais. Parce que là on est entre rivière et marée. Là c'est la rivière. Non, j'ai pas fait si compliqué. Non, c'est ce que là. Quelque part par là. Il est voilà. Un badge. Ouais, donc celui-là avec le paquet cadeau ça marchait pas. Donc là, comme c'était entre guillemets de simple badge. FTF. Ah bah oui, t'es first, hein, qu'est-ce que tu veux sur celle-là, mais là t'auras qu'un. Donc voilà, je me suis permis de pas te mettre le papier. D'accord. C'est fini. Ouais, on va rentrer pour déballer ça. Rentrer parce que en fait je suis parti un peu à l'arrache et j'ai grand froid. Et on va se mettre autour d'un café pour déballer ça. Voilà. Ouais. Bon, ça y est, on est rentré. Ouais. On a servi le café pour se réchauffer. J'ai déballé mes petits pins. Ça c'est ceux qu'on avait déjà vus tout à l'heure. Ça, c'est le petit poisson. Tiens, on va les faire dans l'ordre de découverte. Si tu veux. Ah, il y a du scotch. Ah, pas tant que ça. Ah, yeah. C'est votre trip pour le caméscope? Ouais. Excellent. Ça c'est bien vu parce que ouais, c'est avec le nombre de vidéos qu'on fait et que ça tombe en rade. C'est ça, et qu'on est obligé d'utiliser notre téléphone. Mais, ça c'est bien vu. Je pense que c'était surtout celle-là, j'avais peur que quelqu'un la trouve et parte avec quoi. Après il faut avoir la caméra compatible, mais bon zut. un autre tribe. Alors c'est un scarabée. Dans l'album des collections des petits woods. Là, il y a du scotch par contre. Ouais. C'est lourd. Ah,
Le Geocoin. Balance. Les meilleurs. Grosse balance. Ouais. C'est la nouvelle série qui est sortie il n'y a pas longtemps là, sur les Geocoins des signes du zodiaque. Donc celui-là, c'est le balance. Oh oui, vraiment trop beau. En plus, on peut monter les deux côtés parce que le code est sur le côté. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon, je mettrai peut-être une photo à la rigueur, mais. Attends, faut juste que je focus. Voilà. Il Voilà, est super. il est super. Et de l'autre côté, Ouais, oh, il il est est trop vraiment beau. vraiment bien. Ça, il est aussi lourd que celui de Poséidon, quoi. Il est Bon, content. ben, ouais, voilà, déballage terminé. Il a déballé ses cadeaux, il est content. Il est content. Il va aller enregistrer son Geocoin tout de suite. Un de plus. Un plus dans la collection. C'est ça. Non, c'était sympa comme surprise. Ça, c'était rigolo. Au moins, c'est original, quoi. Ouais, donc si vous avez des amis géocacheurs, n'hésitez pas à leur faire des petits parcours surprises comme ça pour n'importe quelle occasion. Ça pourra toujours leur faire plaisir. Ouais, ben la preuve. Il est content, Gaëtan. Voilà. Allez, bisous à tous. Ciao, Salut! ciao!